détective Betty Lagrange? Peut-être. Qui la demande? Rita Prax. Vous connaissez Noël Lancel? De réputation. Madame. Monsieur. Vous avez l'insigne honneur de participer à un grand tirage au sort qui décidera quel outil sera attribué à qui. Le dernier choisi aura la chance d'assister aux larmes et aux cris de son prédécesseur. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Am, Stram, Gram, Piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam, âme, stram, cramme. Il y a quelque temps, je bossais pour lui. Le genre de travail que les bonnes sœurs n'aiment pas faire. Un soir, elle a commencé à me demander plus d'oseille. Et à de plus en plus violent. J'ai décidé de partir. Mais il m'a retrouvée. J'ai changé de nom. Mais je suis sûre qu'il me retrouvera tôt ou tard. Je sais plus quoi faire. Vous devez m'aider. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'aille frapper à sa porte? Que je lui dise qu'il est en état d'arrestation et que je vous l'apporte sur un plateau d'argent? J'aurais aimé que ça se passe comme ça. Mais je vois pas comment je peux vous aider, mademoiselle Prax. Ne me prenez pas pour l'idiote. Je ne suis pas venue sans m'enseigner. Vous avez l'opportunité de le prendre la main dans le sac. J'ai entendu dire qu'il avait besoin d'une femme pour une mission. Noël Lancel, un voyou, un vrai. Pas le genre de petite frappe qui deal au coin des rues ou qui vole les sacs à main. Lui, c'est un malin. Pas d'armes, pas de preuves, pas de témoins. 2 ans dans les services de police à le poursuivre. J'ai changé mon insigne de police pour une carte avec écrit Betty Lagrange, détective. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule piste. Rita Prax. Et ce rendez-vous. Il semblerait que vous ayez besoin d'un service. Range-toi, gambette, fillette. Il est possible que j'aie besoin de toi. Comment tu t'appelles, ma belle? Mon nom importe peu, dites-moi plutôt ce que je dois faire. Un petit dealer à la manque a choisi de se la jouer solo. Faut que lui et moi, on remette les pendules à l'heure. Le seul problème, c'est qu'il s'est accablé d'un zigoto qui s'est mis en tête de lui donner des conseils. Ta mission, lui faire du grime. L'emmener dans un coin pendant que je diplomate avec l'autre. Got a lotion for my hair in a hurry. Ton travail s'arrête ici. Mes hommes se chargeront de parlementer avec autre chose que des mots. Ça marche.
Bonjour, détective Betty Lagrange. C'est un honneur de vous rencontrer. Un justicier si courageux, si efficace, si encombrant. Une chance que je vous ai mis la main dessus. Sinon, vous aurez mis celle de Méga dans de jolis bracelets. Et je trouve cela fâcheux. Ce soir, nous avons affaire à un invité de choix. Et qui dit invité de choix, dit menu de choix. Mais avant de découvrir ce menu, j'aimerais savoir pourquoi un détective, par définition privé, s'est mis en tête de me mettre des bâtons dans les roues. C'est inutile, personne ne répondra à mon bureau, monsieur Morin. Comment êtes-vous entré? Vous connaissez mon nom? Vous oubliez que je suis détective, mon cher Valérie. C'est mon métier de savoir ce que personne ne veut que je sache. Comment saviez-vous que j'allais appeler? Mais c'est très simple. Vous venez de trahir Noël Lancel. Et quand il l'apprendra, vous aurez peur que les représailles ne vous changent en macabre. De ce fait, vous, bras droit d'un des plus grands criminels de la ville, avez obligatoirement une information capitale concernant Noël. Et vous avez trouvé en ma personne le héros susceptible de vous sauver les niches. Donc je vous écoute. D'accord. Mais ça n'explique pas votre effraction chez moi. Je vous rappelle que votre patron a voulu m'envoyer au service des Grands Noyers récemment. Du coup, vous comprendrez que je vais me chercher l'information à sa source. Voilà ce que je sais. Mademoiselle Prax et Noël ont prévu de se voir demain. Je donne le lieu et l'heure du rendez-vous. Et l'adresse de Noël au cas où. Et sur ce, j'ai un train à prendre. Je ne crois pas que vous soyez pressé. Vous ne comptiez tout de même pas fuir pendant que je ferai tout le travail. Moi, j'ai joué mon rôle. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Et je vous ai sauvé la vie, je vous le rappelle. Donc je m'en vais, et je vous laisse faire votre boulot. Là où vous êtes le plus en sécurité, c'est près de Noël. Vous avez de la chance qu'il ne sache pas encore votre infidélité. Et grâce à ça, nous faisons d'une pierre deux coups. Vous restez sauf. Et Noël continue à vous faire confiance. Qu'est-ce que je dois faire?
Vous allez à la réunion. Je vous pose un mouchard. Vous resterez au sommet de Noël. Vous ne le quitterez ni des yeux ni des oreilles. Il faut que vous soyez à au moins 2 mètres de lui pour que l'enregistrement soit utilisable. Je veux savoir ce que va faire Noël, qui est Rita Prax et pourquoi ils bossent ensemble. Betty, shut me down, break my bones, and then go out. I never told her to stop. She was so cute and lovely, so who could ever know? She was a hired killer. Betty made me laugh when she shot decks in Central Park. Hotel leaves were falling down. She could kill Bambi and her old mother. Oh, oh. Hired killer. Between the light of morning grace and of a silent dawn, none of the dead bodies.